gouvernement d'Elisabeth Borne vient d'être mise en œuvre chez Esso Mobile, puisque un huissier de justice vient de remettre à l'instant une lettre de réquisition à un salarié gréviste qui était ici en poste. Et donc il y a une injonction pour lui imposer de travailler sous directive de la direction Excel Mobile, qui est donc affichée dans l'arrêté préfectoral qui lui a été remis, c'est-à-dire qu'il est dans l'obligation d'effectuer des opérations de mouvement d'hydrocarbures. Donc il y aura un déplacement, alors, je ne sais pas quel hydrocarbure, probablement via le réseau Trapil vers Gennevilliers, et l'ouverture du dépôt libre, malheureusement, à Esso. Donc c'est évident que c'est une atteinte grave au droit de grève, et la Fédération nationale des industries chimiques va contester cette réquisition préfectorale et va déposer un référé dès demain matin, puisque le bureau est actuellement fermé, mais dès demain matin, un référé sera déposé pour dénoncer cette réquisition illégale. Voilà, c'est le seul sujet qu'on avait à vous dire. Merci. Pipe, donc l'ouverture de vannes vers les pipes et l'ouverture donc du dépôt libre pour alimenter les camions. Donc il va effectuer voilà. Cette pipe. Oui, c'est ça. Non, le point de presse est terminé, on avait dit. Là, il y a des camions citernes qui vont sortir d'ici pour ça. On va discuter ensemble et après il vous parlera. Alors, je vous écoute. Écoutez, je suis venu dès que j'ai pu, parce que vous le savez, j'étais en mission, je conduisais une délégation en Palestine, et j'étais, vous savez peut-être pas, mais j'étais coincé, pas tout seul d'ailleurs, avec Annapolis, parce que l'armée israélienne entoure la ville, et donc j'étais obligé de me faufiler cette nuit pour échapper aux balles et aux militaires israéliens, et donc j'ai atterri ce matin, et
j'ai fait le point avec les équipes de Total. Et je suis venu, dès que j'ai pu, soutenir ici les grévistes et d'ExxonMobil et de Total dans leur lutte. Vous le savez, depuis le début, la Confédération soutient. On s'est exprimé à plusieurs reprises sur le sujet. Et leur grève est plus que légitime quand on voit les profits que font les entreprises pétrolières depuis maintenant quelques années. Et leur combat pour l'augmentation générale de salaire, elle reflète ce qui se passe dans de nombreuses entreprises dans le pays où les salaires ont décroché depuis très longtemps, mais avec le niveau d'inflation qu'on connaît dans le pays aujourd'hui, évidemment, ce décrochage est encore plus net. C'est absolument scandaleux. Premièrement, je vous le rappelle, M. Sarkozy avait fait la même chose en 2010 et le gouvernement et l'État français avaient été condamnés par l'Organisation internationale du travail, qui est une organisation, comme vous le savez, qui dépend directement de l'ONU. C'est le droit international. Et cette condamnation précisait que la France remettait en cause le droit de grève. Ce qui était valable en 2010 est toujours valable aujourd'hui. Et donc forcément, c'est une décision scandaleuse. Et nous sommes aux côtés des salariés, la fédération, la confédération, évidemment pour les défendre. Et je peux vous annoncer que demain, nous irons en référé pour soutenir tous les salariés qui sont réquisitionnés sur la base du droit international. Écoutez, je ne crois pas que les Français soient heureux. Sinon, il n'y aurait pas autant de grèves dans ce pays. Les sondages d'opinion montrent que les Français ne sont pas heureux, qu'ils ne vivent pas dans l'abondance. Et de ce que j'entends, évidemment, c'est toujours pénalisant des grèves. Mais on entend les mêmes commentaires quand les cheminots sont en grève. On entend les mêmes commentaires quand les réseaux de transport urbain sont en grève. Tous les salariés, quand ils ne sont pas contents et quand les discussions ne peuvent pas aboutir avec leur employeur, viennent se mettre en grève. Et je trouve, en tout cas de ce que j'en entends dans l'entourage et des reportages que vous faites, que c'est difficile de trouver des citoyens de ce pays qui disent que c'est normal que Total et Exxon donnent beaucoup d'argent à leurs actionnaires et qu'ils n'en donnent pas à leurs salariés. Mais peut-être que vous allez me démontrer le contraire. Est-ce que vous répondez justement à Total, à essayer de publier des communiqués avec des salaires qui sont contredits par les salariés? Moi, vous savez, je suis quelqu'un de simple. J'ai été regarder la convention collective des salariés de la pétrochimie. C'est ça la feuille de paye, j'allais dire. Il y a deux coefficients de cette grille de salaire qui démarre en dessous du SMIC, et j'en ai noté 6 qui étaient en dessous de 2000 euros. Je parle pas du net, hein, c'est le paiement de la qualification. Alors peut-être que le PDG de Total a fait la moyenne entre son salaire à lui et un opérateur de son groupe. Alors, quand vous faites la moyenne entre quelqu'un qui est payé 50 millions d'euros par an et quelqu'un qui en touche 30 000, peut-être que ça fait une moyenne comme ça, mais je trouve que les PDG des grands groupes, quand il s'agit d'augmenter les salariés, disent on n'a pas d'argent. Quand il s'agit de s'augmenter eux, ils en trouvent de l'argent, parce que là aussi, le PDG de Total a eu une super rallonge, me semble-t-il, cette année. Et selon vous, les réquisitions voulues par le gouvernement, c'est un passage en force, une manière forte employée? Vous savez, j'ai entendu le président de la République, après sa deuxième élection, dire qu'il avait changé, qu'il allait écouter, qu'il allait dialoguer. Je ne pense pas que le fait de réquisitionner des salariés en grève soit la meilleure façon d'écouter et de dialoguer. Mais je l'ai dit à plusieurs reprises, il va falloir maintenant, quand on croise quelqu'un du gouvernement, y aller avec un dictionnaire pour voir si on est bien d'accord sur les définitions des mots dialogue et concertation. Comment s'est passée la réunion au Total ? Je n'y étais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que la direction de Total refusait de recevoir la CGT et qu'elle a été contrainte de recevoir la CGT en bilatéral
Je me félicite également, mais vous l'avez noté, que Force Ouvrière a décidé de rentrer dans le mouvement de grève chez Total, ce qui montre que la grève, elle est ultra majoritaire, elle est massive. La proposition de la CGT chez Total, elle est simple. Asseyons-nous autour d'une table, discutons, et puis, comme dans tous les conflits qui se passent en France, c'est à l'issue d'une négociation que on voit sur quoi on peut se mettre d'accord. On discute aussi d'un accord de fin de conflit, et après, si tout se passe bien, les choses reprennent leur cours normal. Or, c'est aujourd'hui la direction de Total qui fait du chantage et qui dit « Vous arrêtez la grève et on discute après ». Ben, ça ne se passe pas comme ça, les choses, dans aucune entreprise et dans aucun pays, d'ailleurs. Quand il y a une grève, on se met autour d'une table, on discute, on essaie de trouver une solution, et si on trouve la solution, ben, les choses reprennent leur cours normal, si je puis dire. Il y a plus en plus de raffineries, de dépôts de carburant qui sont en grève. Vous avez l'impression que le mouvement se développe ? Oui, il se développe et je vous le dis, c'est normal, je ne suis pas spécialiste de vos métiers, mais c'est normal que quand il y a un problème d'approvisionnement d'essence, ça attire les caméras. Il y a beaucoup de conflits dans ce pays et nous allons évidemment, dès les prochains jours, nous appelons d'ailleurs les salariés des autres professions, ceux qui sont déjà en grève à continuer sur les augmentations de salaire et ceux qui n'y sont pas encore et qui sont dans la même situation, bah, à se mettre en grève et amplifier les mobilisations dans les prochains jours. Je pense que c'est aujourd'hui cette question des salaires, elle est incontournable. Il faut régler la question des salaires dans ce pays et non pas, comme le propose le gouvernement dans sa loi pouvoir d'achat, donner des petites primes qui sont largement insuffisantes quand on a du mal à boucler les fins de mois. Donc oui, il faut que le mouvement s'amplifie, évidemment, non seulement en soutien avec nos camarades des raffineries, mais au-delà, dans l'ensemble des professions, et vous l'avez noté par exemple, dans les centrales nucléaires, ceux qui sont chargés de la maintenance ont commencé des roulements de grève sur la question des salaires aussi. Je sais que les cheminots sont aussi en train de discuter de modalités sur les questions salaires, sur les questions d'emploi. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qui préoccupe beaucoup de monde dans ce pays, c'est la future loi sur l'allongement de l'âge de la retraite. Ça fait beaucoup de choses qui nous permettent de dire qu'il y a besoin d'une réaction massive du monde du travail dans ce pays. Vous connaissez le nombre de grévistes ici ? Pardon ? Le nombre de grévistes ici. Ah non, c'est à lui qui a demandé sa fin, moi. est-ce que cette réquisition, cette mesure de réquisition qui a été mise en place, ça peut être un élément déclencheur à ce que la grève s'étende, soit soutenue, voire se généralise ? L'enjeu de cette grève, c'est d'abord les questions sociales. Et il faut absolument qu'on reste sur les questions sociales. Ceci dit, quand dans un pays comme la France, le droit de grève est menacé, ça donne une mauvaise image dans le monde entier pour les travailleurs et les travailleuses du monde entier qui ont encore l'image de la France, pays des droits de l'homme. Et quand le gouvernement français remet en cause ce droit de grève, oui, on est obligé de réagir. On est obligé de réagir. Le droit de grève, c'est un droit international. Beaucoup, malheureusement, de travailleurs et de travailleuses dans le monde aimeraient bien pouvoir bénéficier du droit de grève. Et moi, je croise souvent des camarades d'autres pays qui nous disent si les droits en France baissent, il n'y a aucune chance que dans nos pays, nos droits augmentent. Plus les droits augmentent dans les pays comme la France, plus il y a des chances que dans les pays où ces droits sont contestés, impossibles, eh bien, plus il y a de chances qu'ils progressent. Merci. Merci. Bonne soirée. Le président, il a parlé à quelle heure ? Le président, Macron. À 21h.